Bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur Disc Jam, les amis. On est sur Disc Jam, un jeu offert par le PS Plus. Félicitations. Un bon petit jeu, ça va, sympa. Le but du jeu est tout simplement de se lancer le disque. Soit de le rattraper ou soit l'équipe adverse le met dans notre but. Voilà, et ça marche par points de 10, 7 ou je ne sais quoi. En tout cas, on va voir ça ensemble, on va voir vite fait ce menu. Bienvenue à tous, c'est Rules, le jeu PS Plus du mois de mars de chez PlayStation. Disc Jam, on y va. Et on va se connecter en online, bien sûr. Très important. Pour jouer en ligne, forcément. Parce que sur PS3, tu payais pas le PS Plus, t'en avais rien à foutre. Là, sur PS4, t'es obligé de payer maintenant pour jouer en ligne. Donc, on va voir à peu près ce jeu. On va donc voir les customises. Donc, tout simplement, les emblèmes. Voilà, on peut changer notre emblème. Donc, moi, mon emblème, c'est celui-là. On peut voir les tags. Donc, les tags, c'est... Bah c'est les tags, voilà, c'est les noms qu'il y a en haut de votre pseudo, en bas, juste en dessous de votre pseudo, excusez-moi. Voilà, il y a tout style de tag. Le caractère, donc ça c'est les personnages, il y en a 4 personnages pour le moment, je sais pas si on va en avoir plus, mais bon. Moi je joue avec Gator. Les skins, donc les skins c'est les vêtements, très dégueulasses d'ailleurs au passage, de notre personnage. On a les célébrations à chaque fois qu'on plante. On gagne, on met le disque dans le but adverse. Voilà, la célébration, on appelle ça. Hein. On a aussi la pose de victoire. Donc, dès que le match est terminé. Il n'y en a pas énormément là aussi. On a le disque, le tout style de disque. Et Super Cho, c'est notre fameux pouvoir. Faut savoir que le personnage a un pouvoir, donc moi j'ai pris Spirale. On va tout de suite aller faire un match en simple, bien sûr. Donc c'est parti. Ce jeu qui est gratuit, comme je le disais à l'instant même sur le PS Plus, Disc Jam. Alors si vous l'avez pas téléchargé ou vous l'avez oublié de télécharger, que vous regardez cette vidéo alors qu'on est au mois d'avril. Sache qu'il est à 19€ sur le PS Plus. Et que la PlayStation nous l'offre. Cool, on a trouvé une game. Très rapide. Donc voilà, donc je vais vous expliquer ça vite fait. Donc là voilà, l'adverse. Ah, voilà, bah voilà. Alors ce que je viens de faire, c'est un lancer un peu à l'arrache en gros. Tout simplement. Et on peut se servir de la paroi, tout simplement aussi, pour éventuellement... Oh, l'effet de fou que je lui ai mis, lui. Oh là là là, c'est serré le... Oh putain, oh putain. Ah, voilà. Alors lui, s'il le met dans le mur, comme vous pouvez voir, eh ben, il peut gagner la game. Voilà, gagner des points. Et on a un super pouvoir. Donc, il faut rattraper le disque, mais il faut savoir que le disque peut aussi nous taper... dans le dos, et si ça nous tape dans le dos, c'est impossible de le rattraper. Alors des fois c'est possible et des fois c'est impossible. Voilà, alors ça c'est la petite feinte, le lancer un peu à l'arrache. Technique de... alors là je vais essayer de l'envoyer comme ça. Ah ouais mec, ouais mec. Normalement je suis bidon à ce jeu. Je tiens quand même à le dire. Hop là, et celle-là tu l'as vu venir. T'es perdu. Tac, alors lui, voilà, là je vais la renvoyer en x2, donc lui, voilà, donc là, il faut que je le rattrape, tout simplement, et puis je le fous dans la merde. Donc le premier arrive à 50, il a gagné, tout simplement, et voilà, et ben j'ai gagné. Donc là, ça se joue sur 2 sets, faut savoir. Donc si lui, il a gagné ce set, il y aura un set qui va nous séparer, bien sûr. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, joli à lui. Oh, putain. Alors là, je suis dans le caca. Oui, oui, oui. Oh, joli rattrapage. Rattrapage inopiné, bien sûr. Ah, dommage. Bien joué. Putain, il a gagné 15 points, quoi. Ouais, en gros, plus l'échange est long, plus on peut gagner de points, quoi. En gros, si j'ai bien compris. C'est ça, en fait. Hein.
Je crois que c'est ça. Donc là, plus l'échange est serré, plus on gagne de points, je crois. Ouais, c'est ça. Il me semble que plus l'échange est serré. En tout cas, là, c'est intéressant comme match. Et je suis ravi de vous le présenter dans ma chaîne. Donc, voilà. Donc là, je vais essayer de le ken. Bien joué à lui. Bien joué. Ah ouais, là, il m'a eu, là. Là, il m'a eu. En tout cas, belle remontée à lui. Donc là, je vais essayer de la renvoyer. Et ouais, mec. Tapage de paroi. Ça, c'est de la technique de fou, ça. Donc lui, il va essayer peut-être de m'avoir. Voilà, je vais essayer éventuellement de le... Ah, il m'a eu. Bien joué. C'est des fois, on peut avoir des parties serrées, hein. C'est ça qui est bien dans ce jeu. C'est que les parties peuvent être serrées et lui, il a gagné le set. Donc là, on va avoir un set qui va nous séparer. Très serré. Voilà, c'est à mon tour, comme j'ai perdu. Forcément, le perdant, il récupère le disque. Donc là, c'est pas sympa de sa part de ce qu'il vient de faire. Ouais, d'accord, ok. Génial. Là, je viens de te faire un peu d'importe d'un whack, encore une fois. Comme d'hab. De toute façon. Ouais, ouais, bien, bien, bien. Wow, quel rattrapage au dernier moment. 9 points. Il va me la renvoyer d'une vitesse ahurissante. Voilà, donc là, je vais la renvoyer. Alors, si on fait que des perfects au lancer, faut savoir que le 10 va aller de plus en plus vite. Pour tenir, hein, bien sûr. Je vous dis ça à vous, mais bon. Il n'y a que 2 points qui nous séparent. Il n'y a que 2 points. Bim, je reprends l'avantage. Il a rien compris, le mec, là. Donc là. Oh, joli. Donc là, je vais la renvoyer trop doucement. Donc là, il va essayer de m'avoir, sûrement. Ah non, même pas. Il faut que je le rendors à chaque fois dans ce coin, là-bas. Ça serait sympa, ça. Voilà. T'as rien compris. Très serré en tout cas cet échange. Voilà, et là t'as rien compris aussi. Et je... Ouh, même pas, je gagne même pas. Vous savez quoi, il reste un point pour moi là. Donc là on va essayer de l'avoir. Bien sûr, hop là, voilà. Ah dommage, je voulais couper la trajectoire. Alors on peut faire cette fameuse glissade qui permet d'aller plus vite pour récupérer le disque. Voilà, et bah ouais mec. Oh putain, joli. Alors on va la renvoyer. Et voilà, j'ai gagné. Alors vous avez vu, ça lui a tapé dans le, sur le côté et il a pas pu le récupérer. Et là, très belle victoire pour moi. Et c'est la première fois que je gagne dans ce jeu. Donc on gagne des points, tout ça. Donc je vais essayer de lui proposer de, si ça lui retente, de sa petite revanche. Parce qu'il était pas terrible, Destruction. C'est normal, ça à lui, je crois, non? Oui. Honneur au... Au perdant, mon petit. Oh, très belle récupération. Et là, je lui envoie l'opposé. Ah, bordel. Tu dors? Tu dors, Rules? Ah, bien joué à lui. Bien joué à lui. Alors, il faut éviter de lui envoyer en face. Hein. Parce que vous avez vu, ça peut vite l'avantager pour relancer le disque. Oh là là. Ça c'est du lancer très bizarre. Hop là. L'effet freestyle, tu vois. Qu'est-ce qu'il va me faire lui? Ah d'accord, ok. Ah merde. Ah bah merde, quel con. Connecting. Qu'est-ce qui se passe? Alors je crois que je dois avoir le joueur là, il a dû quitter, non? Bon, on va quitter nous. Voilà, on va quitter. On va essayer de relancer un autre match. Et là, vous voyez mes voisins qui passent au calme. Alors, je sais pas si vous les voyez. Putain, c'est quoi cette vidéo, sérieux? Maintenant, j'ai mes voisins, ils passent et tout, tranquillou. Non, je pense pas que vous les voyez avec la lumière du soleil. C'est fait pour, d'ailleurs. Sinon, j'aurais été obligé de camoufler tout ça pour éviter de vous faire montrer mes voisins. Qui sont en train de passer avec les petits. Qui regardent ma chaîne YouTube, d'ailleurs, ces gamins. Ça c'est beau. Juste en dessous, dit waouh, il y a un youtubeur. Trop bien, maman. Maman, regarde Rules, il joue. Regarde, je veux ce jeu. Je
Je vais essayer de vous proposer aussi un double, hein, tant qu'on y est. On va essayer de découvrir tout ça dans la globalité de cette vidéo. De Disque James. Franchement, j'aime bien, mais au bout d'un moment, ça peut être relou aussi. Va-t-on trouver quelqu'un? Petite musique. Au passage. Les musiques sont bidons par contre dans le jeu. Vous avez vu, je fais aucune coupure. On patiente le prochain joueur. Alors on va jouer avec ce gamer et après on fera un 2 contre 2 juste pour voir ce que ça donne. Ça risquerait d'être sympa, d'être serré surtout. Et il y a moyen de délirer à deux. Alors je vous ai peut-être pas présenté très bien aussi ce menu de Disque Jam là, comme vous le voyez dans cet écran. Vous pouvez voir Press Croix to Head Controller. C'est ce qui permet à jouer en local. Si tu veux inviter un ami, bah vous pouvez. Et ça c'est bien. On a trouvé quelqu'un. Ça y est. C'est dommage, c'est qu'il devrait nous changer les environnements. C'est juste ça qui est un peu con. Mais bon, après on va pas leur en demander non plus, hein. Plus, hein. Bien joué à lui. Je vais le renvoyer. Hop là. Tac. Alors lui il essaye de me feinter, c'est bien. Oh, je l'ai récupéré, j'ai envie de te dire. Oh putain, ça a tapé 60 parois. Donc vous avez vu, plus la game dure longtemps, plus ça me permet à moi de gagner plus de points. Alors soit moi, soit lui bien sûr. Allez mon petit, lance-moi ça. Parce que là, Rules, il est chaud bouillant. Alors c'est bien, c'est qu'on peut mettre plein d'effets différents avec le disque. Comme celui-là par exemple, qui est très chiant et qui peut causer énormément de problèmes à l'adversaire. Sinon, tu lui envoies droit devant et lui il te la renvoie d'une force phénoménale. Alors, moi je joue beaucoup avec les parois parce que ça les met en difficulté. Tu vois. Regardez. Tu as un petit effet, il a rien compris, il était là. Ouah putain, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vais lui renvoyer là, bien sûr. Et là, j'ai gagné le premier set. Tu vois. Il a rien compris, le bonhomme. Il doit dire putain, l'autre. Avec qui je joue en face, il est balèze. Et pourtant non, il est complètement bidon, Rules, j'ai envie de te dire. Allez. C'est pour qui? C'est pour Bibi, bien sûr. Bim, allez. Va la chercher, celle-là. Il a du mal. Je le fais souffrir. Tiens. Attends, mais il va pas me péter les burnes, lui. Tiens, et celle-là. Il a rien compris. Peut-être que je vais lui mettre un 50-0 là. Voilà. Malheureusement, j'allais pas te la renvoyer, tu crois quoi? Hop, la petite feinte de mémé. Hop là. Oh, mais hé, je suis en train de le pulvériser. C'est un truc de malade. Ah non. Malheureusement, il n'y aura pas de 50-0. Mais je gagne le deuxième set. Belle victoire. En tout cas, ça me fait de l'argent de gagner. Voilà. Donc là, on va quitter. On va essayer de trouver un match en double maintenant, les amis. On va essayer de trouver un match en double. Voir ce que ça dit. Parce qu'en double, j'ai jamais essayé encore, en fait. En gros, j'ai jamais testé. Je vais le tester là avec vous. C'est dommage que PlayStation nous offre pas plus de jeux fun comme ça après Rocket League, Don't Starve, hein, qui était aussi gratuit tout au début de la sortie de la PlayStation 4. Et donc Disque James, qui est aussi sympa. Et d'ailleurs, au passage, je vais vous parler d'une console qui va s'éteindre bientôt, la production. Je sais pas si vous en avez entendu parler de PS3, ça y est, hein, la production de chez Sony s'arrête, donc c'est prévu. Alors ils ont pas dit
la date exacte que la production de PS3 se termine. Mais en fouillant un peu plus grâce à Twitter, on a les informations nécessaires. Donc c'est sur un site sûr de chez Sony, bien sûr, Sony PlayStation. Et donc la production s'arrêtera fin mars. Donc si vous voulez vous racheter une PS3, maniez-vous vite le zouk. Parce qu'à mon avis, ça risquerait de partir comme des petits pains. Surtout au prix qu'ils sont maintenant. Alors, PlayStation 3 qui se termine. Sony se tourne maintenant sur la PS5. Est-ce que c'est un fake ou pas? Je sais pas. Je pense pas qu'il va y avoir une PS5 d'ici une dizaine d'années. On dit tous les 6 ans. Ça m'étonnerait que d'ici 6 ans, il y ait une nouvelle console qui sort. Pour le moment, on peut rien savoir de la part de chez Sony. C'est tellement discret, même s'il y a quelques fuites. Il nous manque un joueur. Y a-t-il quelqu'un qui veut se prononcer pour venir jouer avec nous en double? Ça serait dommage qu'il n'y ait personne. Il y a beaucoup de gens qui téléchargent pas les jeux de PS Plus. Moi non plus, j'en télécharge pas énorme. Je regarde beaucoup les noms des jeux, après je vais voir ce que c'est. Et si c'est bidon, forcément, j'y télécharge pas. Par contre, si c'est bien, je télécharge direct. Rien à péter. Ça serait bien qu'il y ait quelqu'un. On recherche un joueur. Ça serait dommage qu'il n'y en ait pas. Ça serait dommage qu'il n'y en ait pas. Bon, je crois qu'il n'y a personne, les amis. Il nous manque juste un seul joueur. Et ce joueur veut pas venir nous rejoindre. C'est un peu dommage. Bon, on va s'arrêter là, nous. C'est pas grave, je vous en reproposerai d'autres de Disque James. En tout cas, j'espère que ce jeu vous aura plu, que vous avez maintenant envie de le télécharger sur le PS Plus. Dépêche-toi, t'en as jusqu'au fin mars. Ah bah, tu vois. Au final, ils ont quitté. On va relancer, on va voir, pour le moment. Oui, je disais, donc, ce jeu est disponible jusqu'à fin mars. Donc, dépêche-toi. Fonce! Fonce dans ta chambre, dans ton salon ou dans ton chiotte, prends la manette et télécharge Disque James. J'ai l'impression que je fais une publicité pour Disque James. Bon, c'est vrai que graphiquement c'est pas ça, mais c'est marrant comme jeu. Voilà, il y en a de se balader, je pense. Je sais pas s'il y a un championnat pour maintenant de Disque James, mais comme quoi il nous en faut peu, nous, pour s'amuser. Deux disques. Un disque du mois, deux bonhommes. Et vas-y, c'est parti. Tu t'éclates comme un dingue, comme un fou. Voilà, il te faut pas grand, mais bon, tu t'amuses. On va attendre, nous, quand même. Ah, bon, allez, quelqu'un. Mets-nous quelqu'un, et après on joue, et puis après, voilà. Comme d'hab, il va y avoir personne. Je suis en train de vous faire galérer. Il y en a peut-être qui ont déjà quitté la vidéo parce qu'ils ont trouvé ça trop long. C'est normal, je comprends. Laisse un petit pouce bleu, un commentaire et abonne-toi à ma chaîne YouTube Rose Gamer. Et rejoins-moi dans les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Rose Gamer. Alors si je vous dis ça, c'est pas que c'est la fin de la vidéo, mais presque. Parce que la quatrième personne ne veut pas se manifester. Donc nous, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. C'était Rules sur Disque James. Moi, je vous dis, salut les gamers.